Yo les gars, c'est Nsu, on se retrouve pour une petite vidéo sur rien du tout en fait. Parce qu'on n'est pas sur un jeu, on est en train d'ouvrir des cartes Pokémon, évidemment. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir une Electrainer Box de 151. Je crois que j'en ai jamais ouvert de ma vie, parce que je sais pas, il y a trop de gens qui en voulaient. Donc j'en ai jamais trouvé, c'est méga cher à chaque fois. Donc c'est un peu triste. Et tellement que c'est dur à trouver, je l'ai même pas en français, je l'ai en anglais. Alors ça ne change absolument rien, vous le savez. Mais du coup voilà, j'ai en anglais. C'est cool aussi. Ah, c'est du vrai papier. C'est plus plastifié comme avant. Oh, c'est dommage. Attendez, je vais juste regarder les cartes vite fait. Parce que je crois qu'elles sont pas ouf. Non, c'est un peu nul. Ouais, tranquille. Hop, on va mettre ça là-bas. On va mettre ça là-bas. Du coup, on a la petite boîte. Il y a quoi de beau dedans? Hop. On a des boosters. Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque un. Ensuite, on a des petits jetons, des petits dés, ça là, des petites énergies et une magnifique carte de Ronflex en anglais, du coup, malheureusement. Mais c'est cool aussi. Hein. Et puis un petit code, je ne sais pas si vous le verrez avec la luminosité de la vidéo. Mais si jamais vous arrivez à le prendre, eh ben, n'hésitez pas parce que je ne l'utiliserai sûrement pas. Mais je le garde quand même pour moi. Voilà, ça n'a aucun sens. Mais en gros, je vais peut-être les utiliser un jour. J'ai 1 milliard de codes. Avant, je vous les donnais. Mais je me suis dit. Parce qu'il y a un moment, en fait, où je jouais au TCG. Où j'utilisais tous mes codes, etc. Mais. Pourquoi pas les garder. Comme ça, si j'y rejoue un jour, je mettrai tous mes codes. Je ne sais pas s'il y a une date de d'expiration, pardon. Normalement, non. Les codes ne devraient pas s'expirer. Peut-être dans genre 10 ans. J'en sais rien. Hop, alors on va essayer de re-rentrer ça là-dedans. Magnifique, voilà. Et notre boîte est validée. Du coup, c'est parti pour nos boosters. Je vous ai pas montré très bien le Ronflex, mais c'est pas grave. Hop, let's go. D'ailleurs, j'ai un calendrier de l'Avent Pokémon. Et tous les jours, j'ouvre ce qu'il y a dedans. Et des fois, il y a des petits boosters, c'est sympa. Bon, évidemment, il y a rien, il y a rien, j'ai jamais de chance. Mais c'est sympa quand même. Hop, les boosters, on va les mettre là. Alors, je sais pas s'il y a une manipulation à faire, donc on va pas en faire. Alors, Abo, Osselet, Goupix, Magnéti. Comme ça, on va voir si je me rappelle des noms des Pokémon. Un ballon, Colossinge, Rapace des Pics. Après, c'est les 151 premiers, j'avoue, donc c'est pas très dur. Salamèche, le petit Hoppicker, une holo, et oh! Une énergie brillante. Ça, c'est cool en vrai. Ok, bah, très bien. Enfin, c'est cool, c'est sympa, quoi. Sans plus. Alors, attendez, je vais mettre ça ici. Les cartes qui brillent, je vais les mettre. Voilà. Voilà, comme ça, on se perd pas. Bon. On espère avoir une bonne carte. Enfin, une bonne carte. Une bonne boîte. Enfin, aussi une bonne carte. C'est pareil. Je vais mettre la première devant, vu que c'est une énergie. Hop, let's go. Énergie, oh, non brillante. Métapode, du coup, Crisacier. Pitar, Ponyta, Pikachu, Ammonita, Rameau, Flagados, Machoper, Aquacquack. On a. les noms, c'est trop dur. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Apiren? Non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Moi, je sais plus, fuck. Et une boule électrode. Putain, je sais plus comment il s'appelait l'autre là. C'est pas Pyrène. C'est Picureren. Je sais plus. Aspico, Confort et. Et je sais pas. Bref, on s'en fiche. Hop, énergie devant. Et let's go. Énergie métal. Non, Chenipan, Evoli, Tadmorph, Aspico, Onyx, Draco, Hippocéan ou Hipporoi? Hippocéan, je pense. Smogo, Rattata et Ossature. Ok. On continue. Pour l'instant, c'est un zéro pointé. On a une énergie feu qui brille, mais bon. C'est pas ça qui nous intéresse, quoi.
Hop, let's go. On met ça devant. Hop, les Energy Plant. Pikachu. Quel artichaut. Coquillas. Fossil. Elix. Daisy. C'est qui lui? Mimitos et. Je sais pas. En fait. Rapidash, c'est Ponystar. Pas du tout. Oh, attendez, ça brille beaucoup. Deux étoiles dorées. Oh, incroyable. Il y a même un Dracaufeu, non? Incroyable. Waouh. Purée. Et derrière, oh, c'est une ex, ok. J'avais pété un câble. Waouh, incroyable. Mes protège-cartes ne sont toujours pas avec moi, donc on va juste la poser. Mec, elle est incroyable. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Ok, bah très bien. Très très bien. Du coup, c'est Galopa. Galopa. Et l'autre, c'était Reptincel. Il y en avait un avant, non? Ah ouais. Mimitos, son évolution, je sais plus. Putain, incroyable en vrai. Tortank. Hop. Dommage. Du coup, j'imagine qu'il y a la même en Dracaufeu. À moins que Dracaufeu, il l'ait mis en big truc arc-en-ciel multicolore ou doré. Petite énergie qui brille, qui est magnifique. Aspico, Nosferapti, Poisse sirène ou Poisse au roi ou Poisse. Nidorum femelle, Billy ou Bill. C'est pas Blue lui, je crois que c'est Blue. Nosferalto, les restes, les lefto, l'Aquaquac. Oh, une petite AR, on adore. Nidoking, ok, elle est très belle. Elle est cool, j'aime bien. Et derrière, ça brille pas mal, mais c'est juste un petit Raichu. Ok. Pour l'instant, franchement, il nous reste 4 boosters, les gars. On est bien. On a eu... franchement, on est déjà bien. En vrai, de vrai, on est bien. Une AR, une ex. Et puis une magnifique full art alternative de tout ce que tu veux. Sans oublier la promo. Moi, ça, franchement, c'est déjà très très bien. Il nous reste quand même 4 boosters, donc on peut avoir toujours mieux, mais je suis déjà satisfait. Sachant que dans les autres ouvertures, on avait que de la merde. Ramolos, Magmar, Hippocampe, Abra, Nidorina, Ratatak, Erika, Smogo, en machin bidule. Topiqueur et Métamorphe. Métamorphe, on ne peut pas l'enlever d'ailleurs. Je ne sais plus si dans quelle collection qu'on peut arracher les Métamorphes. Je sais qu'il y a une collection qui peut enlever l'autocollant, entre guillemets. C'est pas un autocollant, mais c'est pareil. Genre, c'est t'enlèves la carte et il y a une carte en dessous. Mais c'est stylé. Ok, on continue. Énergie Spectro dans Ténèbres. Fantominus, Paras, Voltorb, Krabi. En fait, c'est les mêmes blases presque. Mais c'est pas Krabi, je crois. Si, peut-être. Krab, ouais, je sais pas. Persian, Grotadmorph, encore l'aide de Daisy. Coquille. Et Mimitos. Et en dessous, un petit Dracolos qui est stylé. Ok. Pas mal. Du coup, 2 boosters sans rien. Quand je l'ai dit que je voulais plus rien. Bah, c'est le destin, quoi. En plus, j'ai plus d'ongles. Je les ai tous... Ah, j'ai mal. J'ai coupé tous mes ongles. Du coup, là, c'est chaud pour ouvrir des cartes. Putain, avant, je pouvais les ouvrir trop bien. Du coup, en vrai, ça fait du bien d'ouvrir cette collection. Je l'avais jamais ouverte. Elle est pas si nulle que ça. C'est pas la meilleure collection du monde. Parce que moi, les 151 premiers Pokémon, c'est pas mes préfs. J'aime bien, mais tu vois, je suis pas en mode ouais, première génération et tout. Donc, bon. Après, j'aime bien. Hein. C'est vrai qu'un petit Dracaufeu, c'est pas mal. Ok, Ramolos. Un petit Ratata. Et derrière, j'ai cru que ça brillait, mais c'est juste une loi en fait. Ok. 3 boosters sans rien. C'est un peu triste. Et on a notre dernier booster. J'arrive pas à ouvrir le dernier. Ok. L'énergie, feu. Et c'est parti mon kiki.
sabelette, un petit phoque, Dodio, Tentacool, Vénénote, Rapidash, Nidorina, Nidoran. Et on va commencer par la dernière parce que ça se voit que c'est une holo. Ok. Et en machin bidule. Oh non, mec, on a rien eu. Putain, je l'ai dit en plus. Si on n'a plus rien, c'est pas grave. Bah, du coup, c'est pas grave. C'est la vie. Ok. Bon, bah, j'espère quand même que ça vous a plu. On a eu un petit hors tank sympa. Et après, plus rien. Du coup, voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis, ciao, ciao.